disparu et qui sont tous morts. Oui, voilà. Oui, les dinosaures ont disparu. Vas-y, je m'appelle Damien, Damien AES. Tu penses que les dinosaures ont disparu? Oui. Ils ont disparu complètement, tous. Oui, les dinosaures ont disparu. D'accord. Alors, ont-ils vraiment disparu? Pour moi, non, ils ont évolué sous d'autres formes. Je pense pas qu'ils ont disparu. Je me présente, je m'appelle Mehdi. Je suis chercheur à la NASA. Je m'appelle Mehdi, je suis CAP esthéticienne. Moi, je pense pas que les dinosaures ils ont disparu. Disparu. Pas tous. Non, je pense pas qu'ils aient disparu, je pense qu'ils ont évolué. Non, je pense pas qu'ils ont disparu. Pour moi, c'est une évolution dans le temps. Donc, tout ce qui est reptiles, oiseaux, tout ça, ils détiennent des parties du corps de nos anciens dinosaures. Donc, ça pourrait être des dinosaures ayant subi une évolution. Bah, sous des formes plus petites et plus évoluées. C'est-à-dire connais-tu les dinosaures actuels? Non, pas trop. Mais je pense que des animaux comme les tortues, des animaux des fonds marins, bah, ils existent encore. Par exemple, les crocodiles, ils sont restés au même état qu'à la préhistoire. Donc ils ont gardé leur état primitif. Exactement. Certains animaux ont disparu, tels que le tyrannosaurex, mais d'autres non, tels que les crocodiles, les alligators. Et tu penses que les crocodiles sont des dinosaures? Oui, je pense. Ok. Je pense qu'il y a beaucoup d'animaux qui descendent du dinosaure. Comme et, comme par exemple, je sais pas, les oiseaux, certains oiseaux. Comme le pigeon par exemple, on m'avait enseigné ça. ou encore certains lézards. Ou la tortue. Tout ce qui est reptile, c'est l'évolution des dinosaures. Et chez certains oiseaux, on retrouve les pattes. Je sais pas, c'est des animaux dans la jungle. Pourquoi? Bah non, moi aussi. Hein? La jungle. Ok. Genre les espèces de... Je suis sûre qu'il doit y en avoir encore quelque part. Genre caché et tout? Ouais. Sous les feuilles? Non, pas sous les feuilles, mais genre... Il y en a, ça existe encore. Ah, oui, mais bien caché. Comme? Les crocodiles, je crois pas, mais c'est des dinosaures. Ah oui? Voilà, ils sont cachés. Enfin, ils veulent pas qu'on les voit. D'accord. Et pourquoi ils veulent pas qu'on les voit? Je sais pas. Ouais. Parce qu'on a peur d'eux. Et pourquoi eux ils se cachent? Si eux ils ont peur de nous ou... Non, ils ont pas peur de nous, c'est nous qui avons peur d'eux. Mais c'est eux qui se cachent? Bah oui. Ok. Les dinosaures, en fait, qu'est-ce que c'est? Parce que quand on en parle, en fait, dans l'imaginaire collectif, on pourrait croire que les dinosaures, c'était tous les animaux présents dans l'ère secondaire, comme donc le Trias, le Jurassique, le Crétacé. Non, en fait, les dinosaures, c'est juste une famille d'animaux, comme les mammifères qui sont apparus à peu près en même temps, genre il y a 245 millions d'années. Mais même avant les dinosaures, il y avait des amphibiens, il y avait une multitude d'animaux, il y avait les arthropodes. Donc, comme on a pu voir, en fait, dans les interviews précédentes, on pourrait croire que les reptiles sont les descendants des dinosaures. Sauf que bon, déjà, les reptiles ça n'existe pas. Voilà, on vous a menti depuis la maternelle, je sais, c'est dur. Du coup, qu'est-ce que les lézards, les tortues, les crocodiles, les serpents? Bah en fait, on parle plutôt d'un groupe frère des mammifères qu'on appelle les sauropsidés. Donc, comme on peut voir sur ce magnifique tableau, dans les sauropsidés, on retrouve les chéloniens, qui est le groupe des tortues. Puis, dans un autre sous-groupe, les lépidosaures, où on retrouve les serpents et les lézards, qui sont un groupe frère des archosaures, dans lequel on retrouve les crocodiliens, donc, comme le nom l'indique les crocodiles, et nos très chers dinosaures. Du coup, on en revient à la première question, est-ce que le groupe des dinosaures a totalement disparu? Donc, si on zoome un peu dans le groupe des dinosaures, pour voir un peu ce qu'il y a là-dedans, on voit qu'ils sont composés de deux groupes, les Ornithischia et les Saurischia. Décidément, il y a plein de groupes au milieu, j'adore ça. Les Ornithischia représentent en fait la plupart des dinosaures herbivores. Dans ce groupe-là, il n'y a que des dinosaures herbivores. Et puis, à côté, on a les Saurischia qui eux-mêmes sont divisés en deux groupes. Les théropodes, en fait, qui ont pratiquement tous les dinosaures carnivores dedans. Et d'autres dinosaures herbivores, comme les diplodocus. Ensuite, dans les théropodes, après une multitude de sous-groupes qui seraient trop longues à détailler, on retrouve un groupe qu'on connaît bien aujourd'hui, qui s'appelle les oiseaux, dans lequel on peut trouver des poules, des pigeons, des moineaux, et qui vivent encore très bien aujourd'hui. Donc on peut en conclure que les oiseaux sont des dinosaures, et que les dinosaures n'ont pas disparu. Dans la jungle, terrible jungle.
T-Rex est mort ce soir. Mais son fils, le petit moineau. Pause. Non. Parce que j'ai oublié de vous dire. Certains lycéens ont répondu que les grands animaux des fonds marins existent probablement toujours. Et que, par conséquent, les dinosaures existaient toujours. Ah non, c'est faux. Hein. Contrairement à ce que beaucoup pensent, les monstres marins préhistoriques comme le mosasaur, que l'on voit avaler un grand requin blanc dans Jurassic World, tel un vulgaire cachet d'aspirine, bah, c'est pas un dinosaure. Hein. Il fait partie du groupe des serpents. Voilà. Bon, souvenez-vous bien, hein. Les serpents, crocodiles, lézards, tortues, c'est pas des reptiles, ce ne sont pas des reptiles. Et ce sont encore moins des dinosaures. Hein. Groupe frère, c'est pas la même chose. Ouais, bah oui, il y a des dinosaures, mais c'est pas. Il y a des oiseaux qui les dinosaures. Donc... Moi, j'aurais rien dit.